Et salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. On est avec Zoémite pour vous montrer un peu comment la jouer. Même plutôt pas mal. J'ai déjà plus de 40 parties avec. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. J'ai fait juste Zoé pendant 3 jours. Donc vous allez voir ce que ça donne. C'est plutôt intéressant. Le champion est ultra fun. Assez fort. Très fort. On va voir ça ensemble. J'ai fait un best-of, je sais, mais le best-of ne vous montre rien. Juste quelques combos par-ci par-là. On voit du one-shot, c'est marrant. Mais là, je vais vous montrer un petit peu les runes, les spells. Le build, etc. Alors, pour les runes, je pars Electrocute. Il y a trois écoles. Il y a Electrocute, il y a Comet qui marche très bien aussi, qui est un petit peu vraiment, qui est similaire à Electrocute. On est vraiment dans du one shot. Et il y a Aerie. Après, il y a peut-être autre chose, mais bon, j'ai pas la science infuse, j'ai pas tout testé non plus. Ça reste à voir. Aerie, c'est plus pour du poke en early avec le Q, où t'arrives à chercher des angles, etc. Mais c'est pas trop bon gameplay. Je préfère vraiment one shot. En gros bourrin électrocute. Ensuite, on prend Sudden Impact, c'est obligatoire avec Zoé. Après avoir fait votre R, vous allez avoir de la pénétration magique et de la létalité. C'est juste parfait pour votre combo. Ensuite, Eyeball et Ravenous. Bon, c'est deux trucs parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose d'autre intéressant. C'est plus pour du snowball. Scorch pour augmenter les dégâts. Absolute Focus pour augmenter les dégâts. Il n'y a pas trop besoin d'autre chose. Les 10% de CDR, on va les avoir de toute façon parce qu'on va chercher le Morello qui va nous donner 20%. L'Alishban qui nous en donne 10, et après on part sur souvent un Banshee, une Banshee ou un Zhonya qui va nous donner 40%. J'aime beaucoup aussi en objet Ludaneko parce que le Ludaneko va se recharger très très rapidement. Imagine, vous faites votre R ici et vous revenez, ça vous donne 62 stacks sur le Ludaneko, donc c'est un gros délire. Pour les sorts, on monte le Q, E, W. Dans certains match-up, j'hésite à monter le W en second, par exemple contre, je sais pas moi, un mêlée Garen mid. Bah, j'aimerais bien prendre le W en second, comme ça va augmenter ma vitesse de déplacement quand je vais utiliser mon sort, et ça peut être ultra intéressant. Donc là, je suis contre un Zilean, il va se cacher derrière ses sbires, du coup, on va augmenter le E en premier, et non le E, le W, le L, le Q, je dis n'importe quoi. Parce qu'en fait, des fois, je monte le E sur certains match-up assez faciles, parce que je peux faire proc mon électrocute dès le niveau 1 avec mon E. Dans ce cas-là, c'est un Zilean qui va rester caché, qui va poser ses bombes, du coup, on va monter le Q. Là, dans un sbire, je suis niveau 2. Du coup, je vais essayer de... Ok, ça, c'est pas très, très gênant. Merde, c'est un peu gênant. Je vais monter... Vu que c'est une lettre ultra passive, je vais monter mon W en second. Mon E va me servir à rien, je vais pas réussir à le toucher. Alors que là, si j'ai, je sais pas, moi, un truc intéressant là-dessus... Bon, c'est pas dégueu. Si une double bombe, je vais pouvoir me casser, mais... Bon, ça sert pas à... Ça sert pas à grand-chose, quand même, hein. J'avoue, clean, c'est peut-être un petit peu le truc le plus pourrave qu'on pouvait avoir, mais voilà, c'est pas grave, on a testé, c'était intéressant. On peut toujours l'utiliser pour avoir 10% de CDR de vitesse de déplacement en plus, pour s'échapper. Pour les tips, les tricks, les combos, je ferai une vidéo là-dessus en fait, parce que j'ai plein d'astuces à vous conseiller avec Zoé, mais je peux pas les mettre dans une seule vidéo, surtout comme ça, là c'est un peu... pas à l'arrache, mais oula, j'ai foiré, j'ai trop grillé de mon truc. On va utiliser la cleanse avant qu'elle disparaisse. Parce que le W vous donne aussi des un genre de W de Harry en fait. C'est assez particulier. Ok, je vais l'utiliser là. Espérant que je foire pas le canon. Nice. Donc là c'est du farm. Alors normalement c'est plus agressif avec Zoé. Là c'est juste que bah, il reste très très caché. Il balance ses bombes. Bon. Alors par contre j'ai pas regardé le jungler parce que c'est extrêmement important de regarder le jungler avec par contre là, ouf, putain, heureusement que j'ai cancel mon auto-attaque, il était potentiellement mort. C'est qui le jungler? C'est Kha'Zix. Et moi j'ai... Ok, d'accord. J'ai un bon jungler en vrai. Ok, ça fait mal. Ah, la gunblade par contre ça fait mal, hein. Je crois que... Oui, j'ai utilisé, c'est bon. Ok, je vois le Kha'Zix, c'est plutôt bien. Là limite je peux flash en fait. Là limite je peux flash. Parce que j'ai vu la Gunblade. Et en fait avec Zoé, vous allez voir que si... comment dire? Si elle flash, flashez en fait. Vous aurez pas le choix parce que si elle vous touche avec le E, vous êtes mort. Vous l'avez vu de toute façon. Et ça fait beaucoup de dégâts. Surtout s'il y a une Gunblade à côté, mais genre fuyez. Fuyez de ouf, c'est un délire. C'est pour ça que je le joue Electrocute Ignite pour vraiment sortir de gros dégâts. Oh, je l'aurais pas. Je l'aurais pas, je vais prendre son flash. On va l'embêter un petit peu peut-être.
Non, il y avait un minion, ok. J'ai cru que c'était une ward en fait, du coup j'avais pas vu. Deg. Ça, ça fait quelques dégâts. C'est marrant que je fasse aussi mal. Je viens de one-shot les minions d'en dessous. Bon là, je grade un peu parce que j'ai un flash. Ah, je vais me casser. Je vais me cacher. Je vais me cacher. Je vais me casser parce que j'ai assez de gold en vrai. Enfin, je vais juste prendre deux quand même en vrai. Ok, je vais laisser ça comme ça, tant pis. Ok, on va partir sur un last chapter pour la mana. C'est très très important la mana sur... bah, le Morello, vous aurez pas le choix en fait. Vous aurez pas le choix de prendre le Morello. Alors oui, des fois, vous allez grid beaucoup au niveau des ballons pour avoir une téléportation. Genre là, on aurait bien kiffé avoir une téléportation. Je vais utiliser mon flash tout de suite. Parce que sinon, je vais le perdre. Et ça va me donner... ça va me donner un petit peu de mouvement de speed, 10% pendant 2 secondes, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça. Du coup, lui, il est mid, désolé, j'ai foiré ça. Hop, ça c'est là, et ça c'est là, voilà. Donc on est bientôt au niveau 6. Alors, vous pouvez roam très vite dans la partie. Ah merde, le Zilan qui a roam, qui en a profité que je sois parti. Ah, voilà, ça, ça va me blame. Et j'ai oublié de call le Mia, désolé. J'avais pas de ward aussi, ça c'est un gros problème. On va leur dire sorry. Est-ce que là... On va essayer de le catch. Je pense qu'il est quelque part par là. Il va venir, je pense, non? Il fait un énorme tour ou... Ok, ça c'est étrange. Donc ouais, la dernière vague, vous pouvez la one-shot. Normalement, niveau 1, vous n'êtes pas capable. Hein. Mais dès que vous avez le last chapter, vous pouvez. Et là, on peut abuser de ce mur-là, en fait, pour essayer de le catch. Le minion s'est mis devant, dommage. Alors, on va devoir chercher aussi les angles avec Zoé, je vais en parler dans ma vidéo Tips and Tricks. Vous allez voir, c'est intéressant. Il y a des trucs vraiment... pas besoin de le mettre tout le temps derrière vous. Oui, ça va faire plus de dégâts, mais si vous touchez pas la cible, bah, ça sert à rien en fait, tout simplement. Alors oui, il y a des bugs des fois. Des fois, c'est bugué, si vous êtes trop près du mur, ça va bugger, c'est un petit peu gênant. Comment vous dire? Oh putain. Faudrait que tu finisses, t'as pas de E, dommage. J'arriverai potentiellement par là, désolé. J'ai un smite, on peut faire quelque chose, j'ai électrocute de up. Ok, ça c'est ma ward qui vient de disparaître, ça m'a fait peur. Je sais pas s'il y a des gens qui vont aller sur moi. Je vois pas le sion en fait. Et le Zilan a changé de gameplay, ça me fait bizarre. Alors encore une fois, on n'est pas là pour gagner les gens parce que c'est de la normal game. C'est n'importe quoi en normal, hein, je veux dire, même si c'est du diamant 5 là, c'est le niveau en macro game est extrêmement faible parce que les gens ne veulent pas tryhard. Donc j'ai pas de... Mais pourquoi j'ai 4 potions moi, what the fuck? Je suis pas concentré là. Bon, j'essaie de chercher des angles. À la mid lane en fait c'est beaucoup plus dur qu'en support, parce que oui, je compte faire aussi une vidéo support avec Zoé, vous allez voir, c'est très très fort. Mais bon, c'est compliqué. Alors des fois vous pouvez faire ça. Quand vous êtes pas trop loin, le RE. Alors par contre là il a foiré. Ah merde, je l'ai pas totalement one shot. Aïe aïe aïe, je l'ai pas one shot, du coup il a eu le temps de faire son truc. RIP. Dommage pour le burst. Donc là il y a un Kha'Zix pas loin, je peux pas faire le fou. 1000 gold. Contre un Zilean, ouais. Je réfléchissais au build contre Zilean, mais on s'en fout un petit peu. On va surtout aider notre équipe. Le problème, c'est le Kha'Zix, en fait, qui me fait un peu chier. Parce que si j'essaie de roam, bah, s'il m'intercepte, je suis mort, parce qu'il n'y aura pas de zone isolée. Du coup, il va falloir faire attention. On a un petit balloon. Qu'est-ce que nous avons? Gunblade. Oh, 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 oh. C'est une des meilleures choses que vous pouvez avoir, la Gunblade. Hein. Ok, j'ai très, très peur de faire check, là. Il est peut-être dans un des buissons. Je sais pas où est Zilean. Ouais, il est mort. Je vais pouvoir prendre ça aussi. Oui, il avait double buff en plus. Il a fait le fou, il aurait dû ward. Hein. Ça c'était très risqué, mais bon, c'est. Voilà, c'est normal game, on va dire. Je pense avoir une ouverture. Alors, votre passif prend deux fois avec votre Q. C'est-à-dire que votre Q, vous pouvez appuyer deux fois. Une fois pour le viser et pour le rediriger. Donc une fois vous faites le Q, vous faites une auto-attaque, vous refaites Q, une auto-attaque, vous avez compris le délire.
Bon là il fait trop attention. Je joue agressif parce que je sais que le Kha'Zix c'est plus là en fait. Je sais pas s'il avait son ult en fait. Là mon flash était risqué parce que je savais pas s'il avait son ult. Je vais ramasser son ult quand même. Qu'est-ce qui se passe le... Putain il est fed hein. Il est fed le Kha'Zix là. Il fait un peu peur. Il faut que j'aille aider mon équipe là. Je suis trop mid, j'ai 2500 gold, on va se casser tout de suite. Donc vous voyez hein, en fait dès qu'on touche le E, la cible est potentiellement morte. Parce qu'on a Electrocute, parce qu'on a Ignite, etc. Du coup je vous conseille vraiment de jouer avec ça. Après ça dépend du gameplay de chacun. Je vais partir un peu bourrin. Ça me fait chier quand j'ai Morello comme ça, parce que j'aurais préféré acheter une botte avant. Bah des bottes je veux dire. Les bottes du sorcier pour pouvoir mieux roam. Après le Morello c'est tellement bien en fait. Parce que si j'arrive à tuer le Zilean, bah je vais avoir de la CDR en moins. De la CDR, de la mana en plus je veux dire. J'ai dit n'importe quoi, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est cool. On va flash parce que ça allait disparaître. Ça c'est pas mal, donc y'a personne ici. Je vais voir dès là. Ça n'a pas fonctionné. Okay. Je préfère le flash que le ghost que l'autre pour Kha'Zix en fait. Okay, on l'aura pas. La zone est pourrie. En fait, je vais vous montrer à la botlane comment c'est beaucoup plus simple de toucher avec un œuf. Ouais, y a quelqu'un ici? Non. Ah ouais, mais y a pas Soraka. Toi t'es vu, hein. Toi t'es vu. Je vais ghost tout de suite. Je vais ramasser le ballon ici. Merde. Oh non. C'est horrible parce qu'en fait, la distance peut aller hors de l'écran. Du coup, des fois, tu fais des trucs. Ton écran, t'as l'impression qu'il bug. Est-ce que là, je vais me faire voir ou pas? Oh non, bon, il est mort. Oh putain, j'ai raté. Bon, ça va. Il a pas esquivé le Q. Faut pas faire ce que j'ai fait, hein. Normalement, ça, il est censé l'esquiver, hein. C'est assez étrange là ce qu'il nous a fait d'ailleurs. Il a pas bougé en fait. Alors que j'avais très très mal joué. Il est peut-être bugué. Après mon E normalement j'étais censé le toucher donc c'est vrai que ça fait un peu chier. Là on en profite pour aller roam. Alors on sait que Kha'Zix c'est top. On en profite pour aller roam et là vous allez voir là. Là en fait ce mur là, on peut en abuser comme pas possible. Je peux même utiliser le mur là au cas où. Mais là le mur là je vais. Ah merde. En fait ils m'ont vu, il y avait une ward. C'était à prévoir, mais ils savent pas qu'il y a une plante, du coup je reviens. Est-ce qu'ils ont ward ici? Oui. Ok, je voulais faire quelques dégâts, c'est pas très grave. On va essayer de prendre la tour. On est 3. Je veux dire, juste prends ça. J'ai touché avec mon E, non, même pas. Ok, on se casse. Merde. Ok, il y a du monde. On esquive le W. Non, tu fais pas de W. Si. On s'est fait arracher la gueule. J'ai raté tous mes E en fait. Là normalement une bonne Zoé rate pas trop ses E. Là j'ai très mal joué. Mécaniquement j'ai pas été ouf. Ah merde. Ok d'accord. J'avais pas vu ma botlane. Je pensais que... Mais pourquoi il push? Ah mais d'accord. Non mais... Non je sais pas. Je pensais qu'en pushant instinctivement ils étaient devant. Mais ils sont un petit peu en... Ok d'accord. Ils ont moins de stuff. My bad. Alors qui est fed là? Je vais devoir partir sur un Zhonya. Hein. Ça fait un peu chier de partir sur un Zhonya, parce que je vais pas pouvoir one-shot si j'ai pas Lich Bane. Là le problème c'est que le Zhonya va être un peu indispensable contre un Kha'Zix. Que faire? Kha'Zix en 6-1. Le Twitch en 0-3. Ah d'accord, mais ok d'accord. Ah oui d'accord, ok, j'ai juste les kills de mon équipe. Merde, j'avais pas vu. Là on pourrait limite se concentrer sur la mid lane, ça sert à rien.
Ça va être chaud. Ça va être chaud. Juste prendre ça vite fait. Hop. Ok, il y a Kha'Zix qui arrive, c'est ça. On va mettre ça ici. Je vais mettre une ward là. On prend ça. J'aurais dû le mettre tout de suite. On va le one shot, on va le one shot. Bon, il a flash. Alors par contre, voilà, votre équipe va rarement vous laisser les ballons. Ça, c'est un petit peu relou en vrai. Dommage. Vas-y, on va utiliser le smite tout de suite. J'ai pas eu de knight le bon, c'est ça. Ah, dommage. Ah si, je m'en ai tué, nice. Est-ce qu'on a un petit heal? Nice, ça c'est bien. Ça, ça touche. Nice. Okay. Bon, j'aurais pas le flash. C'était bien caché. Non, ça c'est pas pour nous. On va prendre tout de suite le ballon avant que mon équipe le prenne. Donc là, je suis à 3 sur 5 dans les runes où j'ai du vol de vie. C'est pas trop ça qui m'a soigné, hein, en vrai. Non, on lui fait peur avec le ghost. On s'en fout. On va warder ici. Ok, la phase de jeu était plutôt bonne. Là, j'ai enfin touché mes E. Hein, Vraiment, mes mécaniques ont été dégueulasses en bas, là. Vraiment, désolé. On va se faire ça vite fait. J'ai encore les doubles buffs. Je suis vraiment bien dans ma partie. Lui, il va vouloir aller là. Toucher. Il a mal joué là, le... Donc, du coup, il va devoir back. On gagne du temps. Hein. En vrai, pas besoin de les tuer forcément. Ça fait déjà gagner beaucoup de temps. Le Jhin qui va devoir reback, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. La ward là est vraiment bien. Merde, je voulais normal cast. Je voulais pas faire ça. Merde. En fait, je pensais que j'avais smite. J'ai vu du bleu. J'ai cru que j'avais smite en W. Pas grave. On fait encore gagner beaucoup de temps à notre équipe hein, en mettant toujours low les ennemis. Ça peut être une forme de temporisation. Ah merde! J'ai fait l'inverse. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Ok, il a jump. Voilà, en fait on a gagné énormément de temps et du coup mon équipe arrive à prendre une tour. Du coup, on a l'impression qu'on a rien fait, mais en fait oui. Mais ça vous l'avez vu, je pense pas que vous soyez débile. Ah, j'ai grid là. J'ai un petit peu grid. Alors est-ce que je vais pouvoir le ramasser? Oui, il fait peur lui. Il est en 0-0. Ouais, il y a une trinité quand même. Ouais. Non, ça ira quand même. Ah, il fait mal hein. Trinité, qu'est-ce que je raconte? Infinity Edge. Le son est un petit peu fort. Bon, je l'ai pas respecté, je pensais pas qu'en 0-0 il allait me défoncer comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait le passif. Il y avait le Zilean juste après, donc c'était un peu compliqué. Et il a eu mon Bounty, c'est le Sion. Ça va, c'est pas très très dérangeant. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai l'impression que je les one-shot pas tout à fait, du coup je pense qu'il faudrait vraiment que je parte là-dessus en fait. Voilà, on va partir Zonia. On va partir Zonia, on va partir sur ça aussi. Là. La mana me sert plus, je préfère prendre des potions et des wards. Ouais, ça va être mieux ça. Ça va être mieux. Alors, Kha'Zix en 7-3, il s'est bien calmé. Il était en 6-1, là c'est bon. On a gagné beaucoup de temps à la mid lane, ça c'était plutôt cool. Le Twitch qui était en 0-3, maintenant il est en 2-1, c'est bien. Le Nasus en 1-0, c'est bien aussi. J'ai donné un kill au Sion, par contre, ça c'est très mauvais. Après, le Nasus a l'air correct, du coup j'espère qu'il va s'en tirer. Je crois que j'ai même pas besoin de le faire aussi loin le truc, je crois que je suis déjà très très mal. Merde, est-ce que j'ai besoin d'aider là? Je suis très loin, je suis trop loin. J'ai utilisé mon E pour ça. J'aimerais bien un petit ballon. Ah bon. Je vais voir d'ici. Alors les wards vont être ultra importantes avec Zoé, vous l'avez vu. Hein. Dès que j'avais une ward ici, j'ai pu les catch avec mon E. Donc les wards extrêmement, extrêmement importants les gens. Ne sous-estimez absolument pas les wards.
La vision de jeu n'a jamais été aussi cruciale sur un champion. Merde, merde. C'est pas mal ça. Ça fait gagner du temps ça. C'était chaud. Parce qu'en fait là il fallait que je le E pour qu'il soit sleep. Sauf que mon équipe l'a attaqué. Du coup j'étais trop dans la merde. J'ai dû prendre le flash. C'était chaud. Alors le nombre de fois où votre équipe comment dire, vous allez E l'ennemi. Là vous allez lancer un putain de Q avec votre R et tout. Et là le mec il va faire une auto-attaque. T'es comme, j'aurais pu one shot en fait. Ça va arriver très souvent. Donc vous inquiétez pas, je suis avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là la landing phase vous avez vu, on attend d'avoir un bon E, on peut one-shot, on peut jouer très agressif. En mid-game, on va pouvoir roam. Bon, c'était dégueulasse ce que j'ai fait à la botlane. Normalement, ça se passe mieux, hein. Ça se passe vraiment mieux parce qu'en fait, les ennemis sont souvent ici. Du coup, vous arrivez là et vous n'êtes pas vu. Là, je suis arrivé là, j'aurais pas dû passer par là. C'est juste qu'ils étaient ici, du coup, ça me faisait un petit peu chier. Vous faites un E, parce que oui, vous l'avez vu, hein. Le E va plus loin quand il traverse le mur. Ça, vous l'avez vu. D'ailleurs, il y a un petit bug, hein. Je vous l'ai déjà dit ça aussi. Quand vous êtes trop près du mur, regardez. Là, le truc, c'est qu'il va faire juste la distance du mur et pas la distance aussi du cast. Normalement, il aurait dû aller là. Bref, ça, je sais pas si ça va être corrigé parce que ça, je pense que c'est un bug. Vu que c'est une mécanique pas très comment dire, populaire de leur code, j'en sais rien. Mais ça me paraît quand même assez chelou. Genre là, il n'y a pas moyen. Ah, il avait ult. Ah merde. Ah, il y avait toute la famille encore une fois. C'est pas grave. Mon équipe a fait. Mon équipe a fait 2 kills à la botlane. Du coup, c'est très bien. Moi, j'étais un petit peu en 1v3 malheureusement. Mais on en a tué un. C'est pas worth parce que je suis fed. Du coup, je devrais faire plus. Là, c'est my bad. J'ai cru en avoir que 2. En voyant toute mon équipe au bot, je pensais pas qu'ils étaient tous au mid. My bad. Mauvaise vision de jeu de ma part. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mid-game, vous allez gank ici, souvent. Des deux côtés, ça fonctionne. Hein. Je préfère limite ici, en fait, parce qu'ils sont souvent là. Et là, ils vous voient vraiment pas. Vous avez un bon E ici. Top lane, je gank jamais vraiment trop la top lane, même si c'est possible. Hein. Ici, vous avez un bon mur. Il y a moyen de faire un truc ici. Dans un best-of, vous avez vu le I qu'on a touché, qui a du flash. Du coup, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux acheter, là? On va acheter de la vitesse de déplacement. Je fais déjà trop mal là, je one-shot déjà les gens. Ah bah non, j'ai pas encore management. Mais bon, bref, je one-shot déjà. Ah, quoique. Luzilian, il était. Si, on l'a one-shot. Avec Ignite, ouais. Ouais, à voir. Et du coup, maintenant, en fait, dans la phase de mid-game, late-game, votre objectif c'est de placer des bonnes wards, ou vos alliés. Et. Ah, ça va être compliqué à te défendre, mec. Ah ouais, je vais aussi mourir. C'est vrai qu'il one-shot, hein. C'est vrai qu'il avait un reset de son E. Aïe aïe aïe, my bad. Et là en fait votre équipe faut absolument qu'ils vous attendent. Après c'est de la normal game. Je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer le late game propre. Parce que c'est de la normal game, c'est dégueulasse. Même si c'est du diamant 5, les gens ne savent pas bien jouer. Je sais pas si ils testent beaucoup de champions, du coup c'est normal que les gens se concentrent plus sur leur mécanique que la macro game. Mais voilà, au moins on a eu un bon début. Là faut gank. Mais voilà, j'ai foiré. Si vous avez l'occasion de gank, allez roam. C'est très faisable avec Zoé. Là, on va sûrement la perdre. C'est du 50-50. Après, c'est ceux qui groupent les premiers qui ont gagné. Et j'ai joué une game juste avant. J'ai dit on groupe. Et on m'a dit genre stop tryhard. Du coup, voilà. Parce qu'en fait, j'ai dit grouper. On a eu un inhib. On a débloqué la situation. Et après, on m'a dit ouais, stop tryhard. Je peux quoi. J'étais comme des. Si t'as envie de perdre, c'est ton problème, mais ok, d'accord. Mais bon, ça, c'est une autre vision de jeu. Je peux comprendre qu'on cherche à s'amuser en essayant de faire du 1v5. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Ça peut être intéressant. C'est juste que c'est vrai que moi, je suis dans l'optique de m'entraîner avec Zoé. Et en fait, l'early game, je l'ai déjà, en fait. Et j'aimerais beaucoup plus m'entraîner à carry en mid-late game. Parce que je fais souvent des 14-2, des trucs comme ça, et je les perds. Parce que je sais pas comment les aider. Parce que eux ils groupent, pas nous. Et c'est toujours le même problème, hein, je le dis dans toutes mes vidéos. C'est ceux qui groupent qui vont gagner. Ok, j'active mon heal. Oh merde. Bah, vous les ward, hein, c'est normal.
C'est pas vraiment sa faute là. Bouger. Mais ça va bouger. Ah mais ouais. Pas ouf de vous suicider comme ça les mecs. Il va le stop, je vais le stop aussi. Ah merde. Ça a pas fonctionné. Bon, là. Ah c'est chaud là. Bon les gens, la game n'a absolument aucun sens. Les rotations sont dégueulasses, les objectifs, la team ne le fait pas. Il meurt à part un, j'ai pas envie de vous montrer ça. C'est nul, ça sert à vraiment à rien. Je vous mets juste à la fin qui a gagné pour voilà pour que ça clôture la vidéo. Mais en tout cas voilà, c'était Zoé Mid. Je pourrais pas vous montrer de village game, mon équipe ne groupe pas, regardez, il y en a un au top, il y en a un au bot. C'est n'importe quoi, il y a zéro ward sur le chemin. Je ne peux pas vous montrer quelque chose d'intéressant là-dessus. Du coup, vous avez vu l'early game, le mid game. On peut faire quelque chose de très intéressant. Juste si vos équipes sait jouer, bah, vous avez juste ce groupe, vous allez catch avec votre E, etc. Et ça va très bien se passer. Et prochaine vidéo, je sais pas ce que je vais faire, peut-être une Zoé support. Vous allez voir que c'est très très fort aussi. Et moi je continue à m'entraîner. Et peut-être maîtrise 7 bientôt. On le savait, Nasus voulait pas groupe. Bon, vous connaissez le jeu, c'est du 5v5, pas du 4v5. Du coup, évidemment, voilà, il est content. C'était un petit troll. Donc c'est pour ça qu'en normal game, je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup de choses. Je vais attendre les ranked, mais on peut pas ranked avec Zoé. C'est tout le temps banni malheureusement. Mais avec une équipe normale, je vous assure que la game se serait bien passée. Là, bah voilà, c'est en 3v5, 4v5, c'est un peu compliqué. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Zoé. C'est très fort. Et j'espère vous voir. Oh bah nice. Eh, hey, je suis maîtrise 6. Let's go. Du coup, à bientôt les gens pour une nouvelle vidéo. Ah merde, je voulais vous dire, dans bientôt là, à 20h aujourd'hui, c'est le coach abonné. Venez avec tout. Venez avec Toucan. Il y aura Toucan pour vous coacher avec moi. On va vous dire quelques trucs. Il y aura les nouvelles runes. Ça va être super stylé. Donc on vous attend sur Discord. Le lien dans la description. À bientôt. Ciao, bye les gars.